Mesdames et messieurs, nous sommes très contents de vous compter nombreux en train de nous suivre une fois de plus. Bienvenue sur Congo Live Télévision. Les informations concernant bien sûr la situation sécuritaire dans l'est du pays. Trois territoires toujours concernés par ces affrontements en province du Nord Kivu. Alors, dans les masses ici, des combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont toujours appuyées par les Wazalendo. En face, c'est les RDF M23, ces combats qui sont donc signalés sur les collines surplombant la cité des Sakés. Alors, l'armée qui est en train de tout faire pour déloger l'ennemi, surtout faire tout pour ouvrir voilà, la route Sake-Chacha-Minova, en tout cas pour après avoir aussi repoussé les rebelles du M23. Ce matin, des affrontements sont en train donc d'opposer les deux protagonistes. Alors, à quoi peut-on justement s'attendre? Le souhait, bien sûr, est de voir les forces armées de la République démocratique du Congo d'abord avec les prouesses enregistrées dans la journée d'hier et avant-hier, lorsque l'ennemi voulait surtout repousser les FARDC et se rapprocher beaucoup plus de la cité des Sakés. Alors, toutes ces tentatives ont été stoppées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas aussi oublier l'intervention des jeunes Wazalendo pour bloquer toutes ces tentatives voilà, de l'ennemi. Alors, il ne faut pas aussi s'arrêter par là. Donc, il faut tout faire pour l'anéantir dans d'autres positions. Parce qu'avec les affrontements sur Mouchaki, vous le savez, avant-hier, l'ennemi est venu avec des messages allant dans le sens aussi d'alerter l'opinion internationale, faisant état de ce qu'ils ont appelé comme massacre des FARDC. Bien au contraire, les FARDC ont plutôt attaqué les positions de l'ennemi. Là, c'était à Mouchaki avec les bombardements toute la semaine passée. Et l'ennemi a toujours a enregistré une fois de plus des pertes dans son rang. Alors, ça continue donc avec ces affrontements. Le souhait d'abord est de voir la route Chacha Minova, qu'elle soit encore une fois, ça qui est Chacha Minova, qu'elle soit bien sûr, une fois de plus occupée par les FARDC, que cette route soit praticable, surtout pour toutes ces opérations, comme vous le savez, entre Goma et la province de Sud-Kivu, d'abord avec la cité de Minova. Alors, on peut y arriver, mesdames et messieurs, voilà pourquoi les FARDC sont en train de tout faire pour que cela soit possible. Alors, toutes ces alertes aussi, c'est au niveau de ce qu'on qualifie des pillages, c'est de ce qu'on qualifie aussi de ces traitements inhumains que les M23 sont en train de réserver aux populations dans les entités qu'ils contrôlent dans les territoires des Rutshuru. Mesdames et messieurs, il faut toujours lancer cette sonnette d'alarme pour que le monde entier puisse comprendre et justement prendre au sérieux tous ces actes que l'ennemi est en train, encore une fois, de commettre dans ces entités. Alors, il faut aussi signaler tous ces blocages. Cette fois-ci, nous n'enregistrons pas des bombardements comme l'ennemi a essayé un peu de les faire la semaine passée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons tous son jeu. Quand il est en difficulté, il essaie un peu de larguer des bombes dans des quartiers même périphériques de la ville de Goma pour créer une psychose au-delà de ça. Marquer aussi sa présence, qu'il veut montrer à la face du monde qu'il garde toujours le contrôle de la situation, ce qui n'est pas le cas. Dès qu'il est en difficulté, il s'élance aussi dans ces pratiques-là pour montrer qu'il est toujours en train de bien jouer un rôle important aussi dans la zone, qu'il est en train de toujours démenacer la ville de Goma. Heureusement, que ce soit l'armée congolaise, voire même la population, nous connaissons tous ces jets-là et les uns et les autres sont entrés aujourd'hui de démystifier tous ces plans de l'ennemi. Alors justement, ça c'est sur les plans militaires, parce qu'avec ces avancées, mesdames et messieurs, ça peut nous servir aussi, ou disons, on peut mettre ça dans notre actif, voire même pour les prochaines rencontres sur les plans diplomatiques qui vont mettre la République démocratique du Congo et les Rwanda dans un cadre voilà, pour discuter sur toutes ces questions. Alors, déjà quand on va se présenter avec ces avancées déjà enregistrées, mesdames et messieurs, il y a lieu aujourd'hui de dire que la République démocratique du Congo est en train de chercher cette force qui va nous permettre, bien sûr, de venir discuter
Voilà, en étant en position de force. Ça peut arriver, mais pour que cela soit justement possible, ça passe par tous ces acquis qu'il faut bien évidemment aussi capitaliser. D'abord, en menant des offensives sur l'ennemi. J'ai parlé des offensives. Alors, pour y arriver aussi, ça passe justement par cette mobilisation. De part et d'autre, d'abord, la population qui doit rester toujours très mobilisée derrière ses forces armées, derrière ses Oisalendo, les soutiens populaires, je l'ai toujours dit, est toujours souhaité. C'est ce qui crée même cette différence entre les FRDC et les M23. Elles n'ont pas ces soutiens populaires, mais les FRDC, jusque-là, sont en train de bénéficier de ces soutiens populaires. Et voilà pourquoi elles sont en train de se battre en étant très mobilisées. Alors, les Oisalendo aussi, d'abord, les Oisalendo sont issus de la population. Ce sont des jeunes qui, aujourd'hui, sont aux côtés des FRDC pour défendre aussi les pays. Alors avec ce soutien, mesdames et messieurs, nous allons aussi nous présenter dans toutes les rencontres diplomatiques en position de force. Déjà, ça se passe, bien qu'à un certain moment, les gens sont en train de fustiger l'orientation diplomatique que la République démocratique du Congo a toujours continué voilà, de choisir avec un point voilà, qui fâche plus d'un Congolais concernant la situation aussi des FDLR, mais à un certain moment, il y a des points sur lesquels nous aussi nous pouvons nous incliner. Il y a des points que l'ennemi aussi peut s'incliner, et c'est comme ça que ça se passe. C'est la diplomatie, donc nous ne sommes pas appelés, nous seulement, à gagner certains, dans des négociations, disons, dans des di dialogues, à gagner et laisser l'ennemi aussi. Disons, perdre tous les points, non, nous pouvons bien au contraire gagner plusieurs points contrairement à l'ennemi. Et je crois que ça va arriver, mais avec la lyre, disons la lyre avec laquelle nous sommes en train de nous présenter aujourd'hui, ça ne rassure pas. Voilà pourquoi il faut faire mieux et voir quels sont les points les plus importants aujourd'hui qui doivent pousser l'ennemi aussi à céder. Et surtout là, nous parlons bien sûr du Rwanda, parce qu'avec tous ces préalables qu'il continue aussi à présenter pour se rencontrer, là je parle du président rwandais, pour rencontrer son homologue Félix Tshisekedi, mesdames et messieurs, il y a lieu aujourd'hui de remettre une fois de plus en cause notre diplomatie. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que les mêmes alibis de Paul Kagame, quand il essaie un peu de les présenter, quand il dit aujourd'hui on doit présenter un plan clair pour désarmer les FDLR. Alors donc aujourd'hui, si nous ne venons pas avec un plan clair, le Rwanda va facilement refuser parce qu'ils vont dire non, vous ne répondez pas à nos revendications. Alors quelles sont les revendications que la RDC présente aussi? Parce que jusque-là, le Rwanda n'a rien dit par rapport à ça. Parce que nous leur avons demandé de retirer d'abord leurs troupes qui sont présentes en République démocratique du Congo et puis nous allons entrevoir des discussions entre pays. Mais si cela n'est pas encore fait, mesdames et messieurs, donc aujourd'hui, la RDC peut aussi dire nous ne pouvons pas nous rencontrer avec le président rwandais Paul Kagame. Mais jusque-là, rien n'est dit par rapport à ces préalables. Mais bien au contraire, c'est nous qui sommes en train de céder facilement au préalable du Rwanda. Donc il faut tout de même revoir cette orientation diplomatique. Au-delà du fait de revoir, nous devons aussi tout faire, comme je le disais, avec les options militaires, nous devons tout faire pour capitaliser ces avancées que les FARDC sont en train d'enregistrer. C'est vrai, jusque-là, ce n'est pas à un nombre voilà, souhaité par tout le monde, parce que nous voulons que tout Masisi d'abord soit récupéré. Si on peut se limiter, ne serait-ce que sur les territoires de Masisi, mesdames et messieurs, déjà, ça sera un plus pour nous dans toutes les discussions qu'on peut avoir avec les Rwandais ou d'autres forces qui aujourd'hui sont en train de vouloir mettre à genoux la République démocratique du Congo. Alors pour y arriver, voilà, il faut combiner tous ces efforts au même moment, les options militaires, les options diplomatiques, il faut tout ça, il faut que nous puissions mettre tout ça en marche pour y arriver. Alors je le disais, et je ne cesserai en tout cas tant qu'il n'y aura pas des efforts sur un autre front très capital, c'est les fronts politiques. C'est vrai, nous avons des politiques aujourd'hui, la plupart qui sont entrés aujourd'hui d'animer les institutions en République démocratique du Congo, mais nous ne sentons pas les efforts aussi comme ça s'est fait dans les chefs de la population. La population qui apporte son soutien à l'armée, mais également à ces jeunes patriotes oisalènes, voire même à d'autres
disons, toutes ces troupes aujourd'hui qui sont présentes en République démocratique du Congo pour appuyer les FARDC. Là, nous citons ses partenaires de la SADC. Il y a aussi les Burundais qui sont là. Il y a ces soutiens populaires. La population est en train de soutenir toutes ces forces. Mais les efforts sur le plan politique, jusque-là, nous sentons qu'il y a. Ça tarde un tout petit peu les efforts des politiciens qui, à un certain moment, devraient être aux avant, aux avant-postes, voilà, pour essayer un peu de donner l'exemple ou montrer la voie à suivre à toutes ces populations pour que nous puissions, à un certain moment, nous tous, nous mettre sur une même voie et parler aussi ces mêmes langages. Avoir la même attitude face à ses agresseurs, mais jusque-là, comme ce n'est pas encore fait, mesdames et messieurs, il y a aussi de remettre en cause la volonté de nos politiques. Et là, je les parle d'abord individuellement. Ce n'est pas les chefs de l'État qui vous voient venir encore pour donner un mot d'ordre, je ne sais pas à quel acteur politique, pour qu'ils puissent aussi avoir une attitude d'un peuple ou disons d'un pays qui est en guerre. Ce n'est pas les chefs de l'État qui vont le faire. C'est vrai, ils peuvent donner juste un message, ou disons faire un appel citoyen pour que nous puissions, nous tous, nous ranger dans cette démarche, mais à un certain moment, la conscience patriotique nous appelle aussi à les faire. Vous vous appelez des leaders, mais à un certain moment, ayez aussi ce courage-là de les faire facilement sans pour autant recevoir l'appel de qui que ce soit. Alors si on ne le fait pas, on continue toujours à parler autre chose, c'est focaliser beaucoup plus sur la mise en place dans les différentes institutions, eh bien, à un certain moment, il faut vous poser des questions. Quelle est cette population que vous allez diriger? Parce que cette population qui est aujourd'hui en train de faire face à cette misère aujourd'hui, que ce soit dans les camps de déplacés, que ce soit même dans des entités aujourd'hui qui sont contrôlées par les ennemis. Parce qu'aujourd'hui, les M23 qui sont en train de dicter leurs lois à Rutshuru, dans les entités qu'ils occupent, à Nyiragongo, voire même dans certaines localités aussi dans les territoires des Masisi, il y a lieu aujourd'hui de se poser la question, quelle est cette population aujourd'hui, vous, comme député, vous, comme ministre, quelle est cette population que vous allez représenter, une population aujourd'hui qui est menacée toujours par cette guerre d'agression. Alors, c'est ici aussi l'occasion de voir quelle est cette priorité, des priorités, mesdames et messieurs, pour que nous puissions tous nous dire, nous nous focalisons sur ces points-là. Et une fois cela est fait, j'ose croire que ça va beaucoup plus nous permettre aussi de bien nous ranger, surtout de bien nous mettre voilà, en ordre utile et faire face à cette guerre d'agression. Alors, la situation humanitaire, vous connaissez tous comment ça se passe. Pas plus tard qu'hier, nous sommes revenus sur la situation même des déplacés au niveau des Kanyabayonga, où les gens ont quitté voilà, leur domicile d'abord dans certaines entités. Dans les territoires des Rutshuru, précisément dans la chefferie des Bouito. Aujourd'hui, on parle de plus de 200 000 personnes à Kanyabayonga. Ces gens ne sont pas assistés. Alors, je ne sais pas si il faut encore une fois qu'on puisse espérer à une mission gouvernementale, parce qu'avec la récente mission, il y a beaucoup de choses qu'il faut tout de même décrier. Voilà pourquoi aujourd'hui, si vous avez cette possibilité, vous individuellement, vous pouvez faire ces gestes-là. Alors, nous revenons à maintes reprises sur la situation des déplacés, mais ça ne doit pas aussi nous mettre en situation de quémandaire pour attendre encore une fois que ces mêmes organisations, les ONG aujourd'hui qui sont financées en grande partie par ces pays-là, que nous sommes en train aujourd'hui d'acquiser, hein, de soutenir les Rwandais dans ces envies expansionnistes pour venir endeuiller nos populations. Ce sont ces mêmes organisations encore que nous voulons voir venir assister nos déplacés, mais là, ça sera en quelque sorte une moquerie que nous-mêmes sommes en train d'orienter sur nous-mêmes, et ça ne va, en tout cas, ça ne va pas voilà, résoudre la situation, bien au contraire, ça sera toujours un statu quo dans lequel nous serons en train de nous condamner nous-mêmes, de rester dans ce statu quo, voilà. Sans pour autant qu'il y ait des avancées. Parce que c'est vrai, il y a ceux-là qui sont en train de profiter de cette situation, mais à un certain moment, ça ne doit pas continuer. On parle de plus de 2 millions 700 000 déplacés, justement pour cette guerre d'agression au Rwanda avec la résurgence d'IM23 depuis décembre 2021. Allez-y comprendre, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui, le mal est profond. Et à un certain moment, on peut dire quels sont les
stratégie qu'on doit adopter pour mettre fin à ça. Mais si on n'arrive pas aussi à bien développer tout ça, voilà, nous serons donc en train toujours de nous condamner nous-mêmes et personne ne viendra encore une fois avoir pitié de nous. Donc, à un certain moment, c'est le courage d'un peuple, le peuple qui est en train de le faire déjà en soutenant l'armée. Parce que nous étions tous en train de privilégier beaucoup plus les offensives ou disons l'option militaire pour vaincre ses agresseurs. Justement, la diplomatie doit venir aussi en appui, mais avec le soutien populaire, c'est qu'il faut tout de même signaler, mais il manque aussi une volonté politique. Quand on parle de la volonté politique, c'est ce qui va justifier même la prise en charge efficace de ces FRDC, la prise en charge efficace de ces Oise-Allende aussi qui sont en train de se battre. Et là, quand la volonté politique tarde, mesdames et messieurs, allez-y comprendre que nous serons toujours en train de nous renvoyer aux mêmes conséquences et ça ne va pas résoudre la situation, bien au contraire, ça sera en train de, nous serons plutôt en train de l'envenimer. Alors, là, pour la journée d'hier, mardi, comme vous le savez, il faut dire, hein, parce que je vous ai promis de revenir aujourd'hui avec quelques détails pour la journée d'hier, mardi, il faut souligner que la journée était beaucoup plus marquée par les combats sur l'axe Niamitaba Mueto, toujours dans les territoires des masses ici, des affrontements ça et là. Et les plus importants, parce que depuis le week-end dernier, les M23 n'avancent plus et sont en difficulté aujourd'hui. Quand ils tentent d'attaquer les positions des FRDC, les FRDC sont en train de les repousser et voir même comment est-ce qu'ils vont les déloger sur des positions aujourd'hui qu'ils occupent. Alors, voilà donc, si on continue d'abord sur cette lancée, je sais que c'est pas sur ça qu'on doit beaucoup plus à. On ne doit pas se contenter justement du fait de stopper les avancées ou disons de bloquer les attaques de l'ennemi, mais ce que nous devons faire, c'est de récupérer toutes ces entités parce que l'État est appelé à faire asseoir son autorité sur l'ensemble du territoire national. Et voilà aujourd'hui, quand on a quelques entités qui sont occupées par ces agresseurs, donc on peut dire l'État jusque-là n'a pas encore réussi totalement sa mission. Voilà pourquoi il faut à tout prix continuer, non seulement stopper les attaques ou disons arriver à contenir l'ennemi, mais on doit aussi tout faire pour les déloger, récupérer toutes ces positions dans les Rutshuru, dans les Masisi et au nord de la ville de Goma, en territoire de Nyiragongo, arriver à récupérer toutes ces entités et que les populations regagnent facilement leur domicile et qu'elles vaguent facilement à leurs occupations quotidiennes. Si c'est là, nous arrivons voilà à le faire, mesdames et messieurs, ça sera maintenant, on peut dire, une victoire, mais elle ne sera pas aussi, je vais dire, une victoire qu'on peut qualifier beaucoup plus, pas éternelle, mais en quelque sorte une victoire voilà durable, parce que nous sommes appelés aussi à jouer, à tout faire pour éviter toutes ces entrées volontaires que les Rwandais sont en train de faire toujours. Ils traversent nos frontières comme ils veulent. Alors, à un certain moment, après avoir pacifié toutes ces parties, nous serons aussi dans l'obligation de bien contrôler nos frontières, qu'elles ne restent plus dans cette situation, des frontières toujours aussi poreuses, l'ennemi entre quand il veut, il quitte quand il veut. Donc, nous devons tout faire pour jouer ou, disons, avoir une défense aussi efficace et surtout claire pour que personne ne puisse plus encore une fois se présenter pour faire tout ce qu'il veut en République démocratique du Congo. Alors, nous sommes en tout cas presque à la fin, mesdames et messieurs, de notre production d'aujourd'hui sur Congo Live Télévision. Alors, nous sommes toujours joignables au plus 243 9 98 72 43 14. Plus 243 9 98 72 43 14. Je vous exhorte une fois de plus à relayer, voilà toutes ces productions d'autres Congolais aujourd'hui qui ont besoin de savoir, de comprendre l'évolution de la situation. Il ne faut pas vous enfermer, vous seul, sur toutes ces nouvelles. Vous devez aussi les associer, qu'ils puissent être au courant de tout ce qui se passe. Donc, ils peuvent s'abonner, ils peuvent aimer, surtout partager tout en commentant tout ce que nous sommes en train de produire. Si vous aimez, faites des commentaires. Donnez aussi vos propositions. Voilà. Un message aussi de soutien à ces Oise-Allende, un message de soutien à ces FRDC, c'est aussi ce soutien moral qui vont aussi
les permettre de bien se comporter sur toutes ces lignes des fronts. Nous espérons, voilà, nous restons tout de même optimistes pour la suite. Mesdames et messieurs, voilà donc qui met fin à notre production d'aujourd'hui, Tir Congo Live Télévision. Et voilà donc, l'occasion sera pour nous renouveler d'abord demain, de vous servir une fois de plus, parce que demain, avec d'autres nouvelles, en train de suivre aussi l'évolution de la situation, j'étais en train de vous montrer combien de fois les affrontements continuent. D'abord ce matin, entre les FRDC qui sont appuyés par les Wazalendo, de l'autre côté, ce sont les M23 RDF qui sont entrés aujourd'hui de faire face à ces agresseurs. Alors, l'un des responsables aussi des Wazalendo du groupe IFDPC, Union, à savoir donc Union des Forces de Défense Patriotique, Union de Défense Patriotique Congolaise, et trois autres officiers décédés sur les champs de bataille le week-end dernier ont été inhumés hier mardi sous une forte émotion. Le colonel Sabi était jusqu'alors le chef des UFPDC, composé essentiellement des jeunes Wazalendo originaires du territoire de Nyiragongo, proche de la ville de Goma, qui constitue les verrous sécuritaires empêchant les M23 d'avancer vers la capitale du Nord Kivu, la ville de Goma. Alors, ils ont donc ces officiers voilà décédés. En tout cas, il faut les préciser. Mais je peux vous assurer, pour les Wazalendo, c'est bien au contraire. C'est vrai, ils sont sous émotion, mais ils sont entrés aussi de se présenter avec une force. Parce qu'avec cette colère, face à l'ennemi, je vous assure, les M23 ne seront pas à mesure, en tout cas, de résister face à ces Wazalendo. Parce qu'avec cet état d'esprit aujourd'hui qui les anime, mesdames et messieurs, attendez-vous aussi à des bonnes nouvelles, parce que les entités seront récupérées. Ça, nous espérons, et nous sommes en train de suivre ça de très près. Alors, bonne suite de nos programmes, mesdames et messieurs, voilà. Et on va se retrouver donc demain avec le même plaisir sur Congo Live Télévision.